Alors là, on va vérifier les résultats du TD1 concernant la première question. Alors, concernant la première question, ici, vous avez calculé les puissances actives et réactives PZ et QZ consommées par les impédances Z. Vous avez l'impédance Z, c'est 10 ohms plus J, 15 ohms. Bien sûr, comment faire une impédance où il y a dans la partie réactive, bien la réactance 15 ohms? Tout simplement, on va faire bien sûr le 15. Voilà, je vais la diviser sur 2 pi, d'accord? Sur 2 pi. Ça veut dire divisé par 2, divisé par pi. Voilà, divisé par 50. Parce que c'est 2 pi f. Ça vaut donc 0,047. Alors, c'est ce que j'ai mis ici dans l'inductance, 0,047. Et là, bien sûr, avec 50 Hz, avec 2 pi, ça vous donne bien sûr 15 ohms pour la partie, la réactance. Et bien sûr, pour la résistance, vous avez 10 ohms. C'est ce qui est mentionné ici, c'est 10 ohms. Voilà. Et bien sûr, ces impédances sont câblées en triangle. Et là, j'ai fait un montage triangle. Et tous sont alimentés par un réseau triphasé équilibré, 230, bien sûr, concernant la tension simple. Et bien sûr, concernant la tension composée, si je vais la mesurer ici. Alors, si je mesure ici la tension composée, elle doit me donner 400 volts. Alors, je lance, je prends le programme comme alternative. Et vous allez voir ici, bien sûr, c'est 400 volts. Bien. Alors, ça, je peux le mettre à côté. Alors, ça, c'est juste le multimètre qui mesure, bien sûr, la tension simple, la tension composée. Voilà. Alors, je peux modifier la notation ici, mais je vais le garder. Alors, premièrement, je vais vérifier est-ce que j'ai obtenu vraiment les résultats suivants. Vous allez avoir, bien sûr, pour le courant de phase, c'est 22,19. Alors, pour mesurer le courant de phase, je vais mettre un ampèremètre, bien sûr, sur une phase. Voici une phase, par exemple, c'est celle-là. Là, je vais mettre un ampèremètre. Voilà. Ça va être un ampèremètre en alternatif. Je vais le mettre de ce côté. Alors, ce multimètre, c'est pour mesurer la tension. C'est clair ici, XM1, XM1, XM2, XM2. Bien sûr, pour mesurer la puissance, je vais utiliser la méthode de 2 wattmètres qu'on a déjà vue. Voici ici la méthode de 2 wattmètres. Voilà. Entre la première phase et la troisième phase. Et le courant sur la première phase. Maintenant, le multimètre, bien le wattmètre 2, entre la deuxième phase, je m'excuse, entre la deuxième phase et la troisième phase. Et bien sûr, je mesure le courant de ligne dans la deuxième phase. Comme on a déjà vu, c'est que la puissance totale, ça va être la somme de la valeur mentionnée par les deux wattmètres. Alors ça, c'est le premier wattmètre, ça, c'est le deuxième wattmètre. Voilà, je vais mesurer maintenant. Je lance. Regardez, s'il vous plaît, vous avez bien sûr le courant de ligne, le courant de phase, c'est 22,05. C'est à peu près ce qu'on a trouvé. La tension composée, c'est 400 volts. Et vous avez l'indication du premier wattmètre, c'est ça. L'indication du deuxième wattmètre, c'est ça. Si je veux trouver la puissance totale, ça va être la somme des indications des deux wattmètres. Alors, qui est le 9, 5, 6, 804 plus 13, 6, 30, 0. Ça vous donne bien sûr 14 586. C'est à peu près ce qu'on a trouvé ici. Voilà. 14 500, 700, bien sûr, parce que déjà la tension n'est pas la même exactement. Et ce décalage de tension est qui a modifier la valeur du courant, elle va bien sûr contribuer dans les mesures de puissance parce que vous avez ici le carré. 22,19 carré. D'accord? Ça va la modifier d'une manière très grande. Bien, c'est vraiment proche. Alors, on a maintenant la puissance réactive, ça va être tout simplement, c'est la différence fois la racine. Regardez, s'il vous plaît, je ne vais pas faire l'indication du premier moins l'indication du deuxième parce que si je fais ça, je vais avoir une puissance réactive qui est nulle, qui est négative. Là, je vais faire la deuxième moins la première parce que je sais que j'ai
un récepteur fortement inductif. Voilà. Alors, ça va être 13 630 moins 956,8. D'accord? Le tout multiplié fois, le tout multiplié fois la racine de 3. Voilà, 3 racines. Vous donne à peu près 22 000, d'accord? À peu près 22 000, c'est le même résultat qu'on a trouvé. 22 000. Et bien sûr, je rappelle, vu qu'on n'a pas eu la même valeur exacte de la tension qui est de 400 volts, c'est pour cette raison qu'on n'a pas eu bien sûr le même courant. Et c'est pour cette raison qu'on a un peu cette différence qui est due au calcul, pas plus. Parce que déjà ça, c'est une simulation. Bien, merci.